Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la gamme de si bémol à la trompette, donc la gamme de si bémol majeur. Donc sur cette chaîne, nous avions déjà vu la gamme de do majeur. Donc gentiment, je vais vous mettre les gammes les plus connues en vidéo pour que déjà vous ayez l'habitude de travailler vos gammes. C'est important, comme je le dis souvent, les gammes, c'est vraiment l'outil indispensable puisque toutes les mélodies sont construites à partir de gammes. Et tous les exercices que vous pourrez développer à l'avenir aussi seront construits sur des gammes. Donc mieux vous connaîtrez vos gammes, mieux vous pourrez développer à la fois votre technique et vous aurez les outils en tête pour apprendre plus vite de la musique aussi, puisque en connaissant vos gammes, ça va être beaucoup plus facile de travailler différents morceaux, que vous les travaillez à partir de partitions ou avec l'oreille. Donc c'est parti, maintenant on va voir cette fameuse gamme. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer forcément comment souffler dans la trompette ni produire un son. Donc si vous ne savez pas encore le faire, je vous invite avant de consulter cette vidéo à vous inscrire au kit de démarrage de la trompette. C'est le premier lien dans la description. Vous cliquez sur ce lien et vous aurez accès à une série de vidéos offertes pour vous aider à bien démarrer la trompette. En plus de ça, vous aurez accès à des exercices qui vont vous permettre, de travailler même différentes gammes. Donc, on va aller encore plus loin que ce qu'on fait ici pour, augmenter votre technique et commencer à être plus à l'aise pour vous faire plus plaisir avec la trompette. Et en plus de ça, vous recevrez chaque semaine des conseils pour progresser à la trompette. Donc, maintenant, la gamme de si bémol majeur. Donc, on commence par faire un si bémol qui se fera au premier piston. Ok. Donc, je vous encourage à jouer chaque note après moi. On va les faire les plus longtemps possible pour bien entendre et pour bien chercher à avoir un son bien stable sur chaque note. Donc, je vous refais à nouveau le si bémol pour qu'il sorte directement correctement. Ensuite, on fera un do qui se fera à vide. Ensuite, vous avez le ré qui se fait 1 et 3 et on tire la coulisse. Ensuite, vous avez le mi bémol qui se fait 2 et 3. Ensuite, vous avez le fa qui se fait au premier piston. Puis le sol qui se fait à vide. Le la qui se fait premier et deuxième piston. Et le si bémol qui se fait au premier piston. Une fois que vous avez ces notes-là, on ne va pas s'arrêter ici. Pour s'habituer à enchaîner nos doigts, les doigtés et synchroniser la langue, l'air et les doigts, je vous invite à faire un exercice très simple qui va faire si, do, ré, do, si bémol. Okay? Donc c'est tout bête, vous enchaînez simplement ces notes. Si, do, ré, do, si. Ah,
Après, on prend à partir du deuxième degré, c'est-à-dire de la deuxième note de cette gamme, qui est le Do. Donc, on va faire Do, Ré, Mi bémol, Ré, Do. Ensuite, on va faire Ré, Mi, Fa, Mi bémol, Ré. Je vous le refais. Puis Mi bémol, Fa, Sol, Fa, Mi bémol. Ensuite, Fa, Sol, La, Sol, Fa. Et enfin, Sol, La, pardon, Sol, La, Si bémol, La, Sol. Et ceux qui sont à l'aise, on peut aller un petit peu plus aigu. Mais pour cette vidéo, j'ai pas envie forcément de le faire puisque la plupart d'entre vous seraient peut-être débutants. Et j'ai pas envie d'aller trop dans les aigus pour les débutants. Pour vous préserver vos lèvres, il faut en amont apprendre à bien souffler avant de chercher à forcer dans l'aigu. Sinon, ça va être absolument contre-productif. Donc dans cette tessiture, c'est déjà très bien. Donc voilà pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin avec la trompette, vous pouvez accéder au kit de démarrage de la trompette qui se trouve donc sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt dans du prochain contenu. Ciao, ciao!